Où en est la liberté de la presse en Égypte ? Depuis la révolution qui a renversé le régime d'Hosni Moubarak, le nombre de titres de presse a explosé. Les premiers à avoir bénéficié de cette liberté nouvelle ont été les frères musulmans. En octobre dernier, ils lançaient leur propre journal, Al-Hurriya, qui constitue une tribune pour leurs idées. Sous l'ère Moubarak, cette pratique leur était formellement interdite. Mais aujourd'hui, la confrérie est au pouvoir à travers son organe politique, le Parti de la Justice et de la Liberté. Depuis, rien n'a véritablement changé. Le contrôle de l'information semble avoir simplement changé de main, tandis que les vieilles pratiques perdurent. Plusieurs titres de presse indépendantes égyptiennes ont ainsi décidé de dénoncer les tentatives de contrôle des médias de la part des frères musulmans. Dans leur édition du 9 août, les quotidiens Al-Watan, Al-Tahrir et Al-Masri Al-Youm ont publié des encarts blancs à la place de leurs éditoriaux. En cause, la récente nomination par le Parlement des directeurs et rédacteurs en chef des titres gouvernementaux. Un mode de nomination hérité de l'ère Moubarak, dont le syndicat des journalistes égyptiens avait dénoncé la perpétuation. Par ailleurs, d'autres anecdotes suscitent l'inquiétude des professionnels de l'information. Dernière en date, la suspension pour un mois de la chaîne privée El Farahine, réputée hostile aux frères musulmans. Ainsi, les victimes d'hier semblent devenues les oppresseurs d'aujourd'hui. Une déception pour les médias égyptiens qui n'ont pas oublié les promesses de campagne du PLJ. Ils promettaient alors de confier à la Corporation des journalistes le soin d'organiser la profession. Une avancée par rapport à l'ancien régime qui ne verra probablement jamais le jour.